Bonjour, par cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous quelques versets de la Bible sur l'importance de l'évangélisation. C'est simplement une vidéo de partage et d'encouragement, car je ne suis ni pasteur, ni enseignant, mais je suis un simple chrétien qui aime évangéliser dans la rue et autour de moi. J'ai choisi, pour cette vidéo, le site Top Bible du site Top Chrétien, bien que je n'affectionne pas particulièrement ce site, et que je le déconseille. Mais il faut reconnaître que la partie Top Bible est bien conçue, car elle permet de choisir sa version de la Bible, et de la comparer aux autres traductions. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, versets 13 et 14, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne l'annonce ?» Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, « Puis il, Jésus, leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6 à 9, Paul nous dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose, qui compte, mais Dieu, qui donne la croissance. » Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 10, versets 1 à 3, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et les envoya devant lui deux par deux dans toutes les villes, et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande. » Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y. Je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset 16 à 20, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent au joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Pour conclure cette vidéo, voici ce que l'apôtre Paul nous dit, Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 et 17, « Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager, et n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez commenter, le lien se trouve dans la description. Merci de votre écoute, je vous dis à bientôt.